Spectateurs, vous suivez cette retransmission en direct avec beaucoup de bonheur et nous vous saluons et nous vous remercions. Vous l'avez vu, c'était l'entrée du chef de l'État, l'hymne national est intervenu. S'il vous plaît, c'est une séance solennelle. La séance est reprise. Honorables membres du Congrès et chers collègues, le projet d'ordre du jour de la présente séance appelle les points ci-après. 1. Adoption du projet d'ordre du jour. 2. Audition du discours du président de la République sur l'état de la nation. Le Congrès peut se prononcer quant à son adoption. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu des résultats du vote, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité. Honorables membres du Congrès et chers collègues, à présent, nous abordons le second point de notre ordre du jour. Comme vous le savez déjà, il se rapporte à l'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation. Mais avant d'en arriver là, Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de tous les honorables membres du Congrès, à celui de mon estimé collègue du Sénat, président du Sénat, et au mien propre, la bienvenue dans cette salle des congrès du Palais du Peuple à l'occasion de votre adresse à la nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il vous plaise de prendre la parole pour délivrer le contenu de votre message. Garde à vous! Allongé! Mort! Gardé! Vous! Centre! Porté! Arme! Musique! Président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorable député le sénateur, mes chers compatriotes, après mon adresse sur l'état de la nation, le mois de novembre dernier, la situation socio-économique, politique et sécuritaire du pays m'oblige ce jour à m'acquitter de ce devoir constitutionnel plutôt que de coutume. En effet, la morosité des indicateurs macroéconomiques laisse aujourd'hui nos concitoyens perplexes au regard de son incidence bien compréhensible sur leur pouvoir d'achat. Alors qu'au plan politique, les négociations du centre interdiocésain sur l'arrangement particulier relatif à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 ont généré quelques inquiétudes pour avoir achoppé sur les difficultés, du reste insurmontables. Les modalités de nomination du Premier ministre et la désignation d'une nouvelle personnalité à la tête du Conseil national de suivi des accords, CENSA en cible. Aussi, les dernières évolutions dans le Kassai central
et ses environs sont-elles restées marquées au plan sécuritaire par les actes de barbarie inacceptables et condamnables, dont la profanation et le saccage de nombreux édifices religieux, le viol d'une centaine d'éléments de nos forces de police et de l'armée, ainsi que celles de plusieurs civils et deux experts des Nations Unies. En leur mémoire et en celle de tous les fils et filles de ce pays qui nous ont quittés en ce début d'année 2017, sous le drapeau ou de mort naturelle, dont le président de l'UDPS, M. Étienne Tshisekedi Wamulumba, je vous invite à observer une minute de silence. Merci. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, mes chers compatriotes, le premier trimestre de l'année en cours a été marqué au plan sécuritaire par une évolution positive et encourageante de la situation dans l'est du pays, où nos populations du Tanganyika, du sud et du nord Kivu ont renoué progressivement avec la paix et la tranquillité, grâce aux opérations militaires de nos forces de sécurité, mais grâce aussi de se réjouir un instant à juste titre de ce vent favorable. L'épicentre de l'insécurité se déplaça vers le centre du pays. Et détruisant tout sur leur passage. Il s'agit là, vous vous en doutez, d'une situation aujourd'hui au cœur de nos profondes préoccupations. L'énigme du départ, au contour coutumier, a été dénouée à travers un processus politique et administratif initié par le gouvernement central. Face aux atrocités inacceptables commises sur des victimes innocentes et en raison de la persistance de troubles à l'ordre public, mettant en péril la paix et la stabilité du pays, il ne nous reste plus qu'à déférer à notre obligation constitutionnelle, celle de rétablir l'autorité de l'État dans cette partie de la République par tous les moyens légaux possible. C'est ici le sens des ordonnances que je viens de signer, mettant en place un secteur opérationnel dans le Kasaï. De manière à intensifier sa présence accrue dans les provinces touchées, à travers les milices ayant en charge l'intérieur et les affaires coutumières, en vue de la poursuite du règlement politique et administratif de nombreux conflits coutumiers, signalés ça et là, et ce, avec l'aide
de l'Association nationale des autorités traditionnelles du Congo. Il est clair que le responsable présumé de toutes les exactions et crimes graves sur les civils, dont à ce jour 7 militaires des forces armées, déjà aux arrêts, répondront de leurs actes devant la justice. De la même façon, les crimes commis sur les milices, par les miliciens, sur les paisibles citoyens, les agents de l'ordre et ceux des Nations Unies ne resteront pas impunis. Leurs auteurs qui font eux aussi déjà l'objet des enquêtes judiciaires au niveau des parquets et auditorats militaires compétents devront être sanctionnés conformément à la loi. D'ores et déjà, les instructions ont été données au gouvernement de la République afin qu'il apporte le concours nécessaire à la réalisation de dix enquêtes. En attendant, je lance un appel au calme dans le Kasaï central et j'invite les quelques jeunes entraînés dans des aventures sans lendemain aux conséquences dévastatrices pour nos populations de provinces affectées à déposer les armes et à cesser leurs actions criminelles. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorable Député et Sénateur, je me fais le devoir de rappeler, une fois de plus, la fragilité des fondamentaux de notre tissu économique, tourné essentiellement vers le secteur tertiaire, et marqué d'une part par l'importation de biens de première nécessité consommés par les Congolais et que nous ne produisons pas, et d'autre part, par l'exportation de matières premières vers les pays industrialisés, source de nos principales recettes budgétaires, mais dont la fixation de cours échappe à notre contrôle. Il va sans dire que tant que nous ne changerons pas ce paradigme, dont l'économie, notre économie, restera fragile et fera continuellement les frais des soubresauts de la conjoncture économique internationale. Dans le même ordre d'idées, tant que notre système fiscal sera écrasant, discriminatoire et truffé d'une parafiscalité lourde, le climat des affaires ne sera pas propice à l'investissement productif ni civisme fiscal. Aujourd'hui, nous avons pris la mesure du défi. Il nous faut agir sans plus attendre. En plus des investissements publics légitimes, l'option est donc définitivement levée de promouvoir le soutien au secteur privé productif à travers particulièrement l'appui direct aux petites et moyennes industries et aux petites et moyennes entreprises, spécialement celles engagées dans l'agro-industrie, inscrivant leurs activités dans le cadre de chaînes de valeur. Il nous faut en effet produire ce que nous consommons, comme j'ai eu déjà à le dire, conférer de la valeur ajoutée à nos produits destinés non seulement à la consommation domestique, mais aussi à l'exportation en vue de les rendre plus compétitifs. Notre pays ne saurait plus indéfiniment être ce grand marché offrant l'opportunité d'affaires et d'emplois aux peuples de pays tiers
au détriment de sa propre population et de son économie. Par ailleurs, les efforts de mobilisation de ressources internes seront poursuivis à travers la lutte sans concession contre la fraude douanière et fiscale, ainsi que la contrebande, grâce aux réformes fiscales nécessaires et grâce à l'implantation très prochaine au sein de nos régies financières de systèmes de gestion informatisée des contribuables fournis par une expertise appropriée. C'est ici le lieu pour moi d'insister sur l'impérieuse nécessité pour le gouvernement de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat de prendre des dispositions utiles en vue de l'adoption dans le plus bref délai et pendant la session en cours d'une nouvelle loi sur la fiscalité, de celle sur le partenariat public-privé, sans omettre la finalisation de la loi portant révision de certaines dispositions du code minier, en sursis depuis plusieurs mois devant les deux chambres. Le gouvernement pourra ainsi disposer des outils solides pour stabiliser de manière pérenne et structurelle la situation économique en cours avant d'inverser définitivement la tendance préoccupante actuelle. L'amélioration de la situation sociale de nos populations en dépend. Honorables députés et sénateurs, je voudrais rappeler à la jeunesse de notre pays que la mise en œuvre effective de politiques appropriées promises en novembre dernier en vue de sa réinsertion socio-économique a démarré. La promotion de l'entrepreneuriat local à travers les mesures subventionnées de soutien au secteur privé ainsi que l'entrée en vigueur de la loi sur la sous-traitance aux PME et PMI locales constituent aujourd'hui des opportunités à saisir. Parallèlement à ces efforts, qui créeront plusieurs milliers d'emplois, des entreprises du portefeuille de l'État ont été instruites de privilégier, dans le cadre de leur plan de redressement, la résorption du chômage des jeunes. Quant aux agents et fonctionnaires de l'État, civils et militaires, le processus engagé de l'amélioration de leurs conditions de vie sera poursuivi grâce aux réformes relatives à la maîtrise des effectifs et de la masse salariale qui permettront en dernier ressort la réaffectation des économies réalisées au réajustement progressif de leur traitement. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés et sénateurs, conformément à ce qui est devenu une tradition politique dans notre pays, j'ai levé l'option depuis 2015. D'engager la classe politique et sociale de notre pays dans un dialogue afin de dégager le consensus indispensable à l'organisation du troisième cycle électoral apaisé. Cette initiative faisait suite du reste aux efforts entrepris dans le même sens en 2012. Lorsqu'à la recherche du consensus national, en vue de défendre la patrie contre le pseudo-rébellion, j'avais convoqué les concertations nationales, ayant permis de renforcer notre cohésion en tant que nation
et de soutenir d'une seule voix notre armée engagée dans les opérations de défense de la patrie. Dans le même ordre d'idées, une fois de plus, la recherche du consensus m'a inspiré dans la convocation en novembre 2015 du dialogue politique national inclusif tenu sous la facilitation internationale de l'Union africaine. Ce forum, précédé lui-même du pré-dialogue entre la majorité et l'UDPS, tenu dans plusieurs villes européennes, débouchera à la cité de l'Union africaine sur l'accord du 18 octobre 2006 entre l'opposition politique, la société civile et la majorité. Quoique cet accord ait jeté de bases solides à nos attentes, j'avais résolu de déférer à l'impératif de l'inclusivité en vue d'un plus large consensus de parties prenantes au processus électoral, en confiant à la Conférence épiscopale nationale du Congo une mission de bons offices auprès du rassemblement de l'opposition. C'est ici le lieu de rendre hommage aux évêques de l'Église catholique pour l'excellent travail abattu ayant donné lieu à l'accord du 31 décembre dernier et à certains points de convergence sur des modalités de mise en œuvre du dit accord. Hélas, en dépit de leurs efforts louables, ayant permis l'atteinte de plus de 90% des résultats escomptés, les parties prenantes n'ont pu dégager de consensus sur deux points, concernant respectivement la désignation du Premier ministre et celle du président du Conseil national de suivi de l'accord, tel que renseigné dans le rapport final de médiation mais transmise en date du 28 mars dernier. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, j'aimerais rappeler une fois de plus que l'objectif poursuivi en organisant le dialogue et reste l'organisation des élections. Je félicite pour cela notre centrale électorale, qui, dans des conditions extrêmement difficiles, a abattu un travail remarquable et a permis à ce jour de dépasser la barre de 21 500 000 électeurs enrôlés, avec essentiellement le financement propre du gouvernement de la République, évalué à ce jour à 320 millions de dollars. Je voudrais annoncer solennellement à notre peuple que les élections que ceux qui en doutent encore soient rassurés. Tout sera mis en œuvre, en effet, pour atteindre cet objectif, conformément au calendrier qui sera fixé par la CENI. L'accord du 18 octobre de séquence des élections et du fichier électoral, aussitôt celui-ci constitué, et la répartition des sièges déterminée par une loi. Honorable député, honorable sénateur,
Ce processus étant l'œuvre de Congolais, financé par les Congolais eux-mêmes. Aucune ingérence étrangère, ni dans son pilotage. Aucune ingérence étrangère, ni dans son pilotage, moins encore dans son déroulement, ne sera tolérée. Comme dans tout autre pays membre des Nations Unies, il s'agit là d'une question de politique intérieure et relevant en conséquence de la souveraineté nationale. Et notre devoir, c'est bien celui de défendre justement l'indépendance et la souveraineté nationale. Conformément à l'engagement pris devant notre peuple au terme de notre serment constitutionnel. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorable député et sénateur, au cours de ces dernières 48 heures, j'ai été à l'écoute de la classe politique et sociale qui a répondu à mon invitation. J'ai noté une convergence de vues, notamment sur l'urgence qu'impose le règlement de deux points relatifs à la mise en œuvre de l'accord, spécialement en ce qui concerne la question de la désignation d'un nouveau Premier ministre. À ce propos, un large consensus s'étant dégagé sur la procédure de désignation de celui-ci et sur les compétences de l'autorité de nomination, j'invite le Rassemblement à surmonter ces querelles intestines et à harmoniser les vues. Harmoniser les vues sur la liste des candidats à Premier ministre ayant le profil requis et convenu comme souhaité depuis plusieurs mois. Et ceci en vue d'accélérer le processus de formation du nouveau gouvernement d'Union nationale. Comme relevé dans mon message de novembre 2016, et tenant compte du fait que le pays ne doit plus être l'otage d'intérêts personnels et de luttes de positionnement des acteurs politiques, comme relevé dans mon message de novembre 2016, et tenant compte du fait que le pays ne doit plus être l'otage d'intérêts personnels et de luttes de positionnement des acteurs politiques, le Premier ministre sera impérativement nommé dans les 48 heures.
S'il vous plaît, suivez le message du président de la République. S'il vous plaît. Quant à la présidence du Conseil national de suivi de l'accord, je demande aux deux chambres du Parlement d'adopter rapidement la loi organique relative, en même temps que j'en appelle à l'accélération des tractations au sein de la classe politique en vue de la désignation dans la foulée, dès l'entrée en fonction du nouveau gouvernement, d'une personnalité consensuelle devant présider cette structure. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés et sénateurs, mes chers compatriotes, comme par le passé, la République démocratique du Congo n'a pas vocation à sombrer, mais plutôt à émerger. Ces difficultés conjoncturelles étant bien cernées, elles sont en voie de trouver des réponses appropriées. Je suis convaincu que grâce à l'engagement de tous, opposition, société civile et majorité, et surtout grâce à l'appui de notre peuple qui se présente à nous, et notre beau pays survivra aux prédictions apocalyptiques et malveillantes de ses détracteurs. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, mesdames et messieurs, que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie. Amis téléspectateurs, je n'ai peut-être pas le mot pour vous exprimer ce que nous ressentons ici. Non. Le chef de l'État, président de la République, a parlé. Donc ce n'était pas difficile de prendre en compte l'actualité filmée dans la société par le chef de l'État, la société politique, la société civile, pour qu'il en puisse. Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous venons tous de suivre avec beaucoup d'attention votre discours sur l'état de la nation et nous vous en remercions très sincèrement. Honorables membres du Congrès, chers collègues, je vous rappelle que conformément aux prescrits de l'article 77 de la Constitution et de l'article 3.3 du règlement intérieur du Congrès, les messages du président de la République devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès ne donnent lieu à aucun débat. L'ordre du jour étant ainsi épuisé, la séance est levée. Musique, garde à vous. Allumez.
Nous demandons l'assistance de rester debout et de saluer la sortie du président de la République avec des acclamations. Eh bien, amis téléspectateurs, vous avez suivi l'intervention du chef de l'État et président de la République, Joseph Kabila Kabange, en direct, avec toutes les publicités, l'image et du son. Joseph Kabila Kabange a parlé. Le père de la nation a dit, le chef de l'État a eu le temps d'observer, d'analyser, de rencontrer, de consulter. Et donc là, Kabila Joseph est arrivé à une telle conclusion. C'est que nous appelons, nous, en journalisme d'ailleurs, l'actualité fumée dans la société. Et donc le chef de l'État a écouté, il a consulté, il a regardé, mais il a suffisamment profondément écouté les uns les autres. Il a le devoir de ne pas faire sombrer la nation, mais de la mener vers l'émergence. Le chef de l'État a été de toute honnêteté. Certaines personnes, certaines autorités nous ont appelés.